jamais vu au lycée Blaringhem de Béthune qui a connu sa première grève locale contre les suppressions de postes. Monsieur le recteur, rendez-nous nos heures, c'est ce que demandent les professeurs qui étaient rassemblés devant le théâtre municipal ce mardi matin avec quelques étudiants. DMZ TV était sur place et a recueilli de nombreux témoignages. Édition spéciale, tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous, très heureux de vous retrouver pour cette édition spéciale de DMZ TV consacrée uniquement à cette grève locale du lycée Louis Blaringhem de Béthune ce mardi. Ils ont donc protesté contre les suppressions de postes et notamment 108 heures d'enseignement en moins qui seraient programmées par le rectorat. Monsieur le recteur, rendez-nous nos heures, c'est le slogan phare de ce rassemblement. Les enseignants qui se sont donc rassemblés ce mardi matin en très petit nombre, mais en tout cas la grève a été très très suivie puisque selon le SNES, le syndicat national des enseignants du second degré, on comptabilise 80% de profs grévistes et pour la journée lycée mort qui s'est déroulée en parallèle encadrée par l'association de parents d'élèves, la FCPE, a dénombré seulement une centaine d'élèves présents dans l'établissement sur un millier. C'est donc une journée d'action très réussie, c'est du jamais vu au lycée Louis Blaringhem. Nous étions sur place ce mardi matin pour suivre le rassemblement devant le théâtre de Béthune. Je vous propose d'écouter tout de suite réaction de professeurs et également d'étudiants qui étaient venus soutenir les enseignants. Là, il s'agit d'une grève des enseignants du lycée Blaringhem au lycée Blaringhem en marge de ce qui se fera jeudi. Jeudi, il y a une action nationale qui sera menée au niveau national et des enseignants du lycée Blaringhem seront encore grévistes jeudi. On proteste contre la dotation, le montant de la dotation horaire globalisée qui nous est attribuée par le recteur. Le recteur a décidé de nous amputer d'environ 108 heures d'enseignement pour la rentrée 2013. 108 heures, ça représente 4 postes qui vont être, et ça c'est déjà décidé, supprimés pour la rentrée en septembre 2013, mais également des effectifs dans les classes qui seront toujours lourds, des classes qui ne seront pas dédoublées. En seconde, on nous annonce une création de seconde, une 12e seconde, mais la conséquence immédiate, c'est plus aucun dédoublement en anglais, en mathématiques, en sciences. On a la fermeture d'une terminale ES, fermeture d'une terminale STCF. Donc l'option compta c'est terminé, c'est à Malraux, désormais c'est plus à Blaringhem. Pas d'ouverture de l'option mathématique en L. Les regroupements farfelus en art, plastique, etc. Plein de premières et terminales mélangées. Options facultatives, options lourdes mélangées. Ça c'est lourd de conséquences par rapport à notre enseignement. Ce matin, il y avait 6 enseignants qui avaient été pointés comme faisant cours sur la cinquantaine attendue. Il y a une centaine d'élèves présents dans l'établissement puisque la Fédération de parents d'élèves a appelé au lycée mort. Et on a contacté la presse, on a contacté différents médias. On aura une couverture médiatique importante. On a également mandaté un certain nombre d'élus qui ont eu la gentillesse de relayer notre mouvement. Écoutez, on est là pour défendre notre lycée, notre enseignement, pour que la qualité reste toujours présente au lycée Blaringhem, parce que c'est vrai que peut-être qu'on n'a pas des cas sociaux comme dans d'autres établissements et on nous supprime beaucoup d'heures d'enseignement, on supprime des postes entiers, des professeurs, tous les profs qui partent à la retraite, leur poste est supprimé, les options art perdent des heures, ce qui fait qu'on ne pourra pas avoir un enseignement de qualité l'année prochaine, on ne pourra pas offrir notamment un enseignement de spécialité de qualité. Donc ça c'est intolérable pour nous et on se bat pour ça. Il y a eu un changement de gouvernement, on nous a dit on ne fait plus la case de l'enseignement et on veut aujourd'hui que la case continue. Donc on est là pour manifester vraiment notre mécontentement. Alors donc on participe, mon collègue de musique et moi, à cette manifestation parce qu'en fait on est quasiment en première loge. Chaque fois qu'il y a une réduction horaire importante qui affecte le lycée Blaringhem, ce sont toujours les disciplines artistiques, ce sont essentiellement les disciplines artistiques qui sont mises à contribution. Donc ça devient assez grave la réorganisation horaire qui a été mise en place parce qu'en fait mon collègue de musique n'a quasiment plus d'options obligatoires et quant à moi je me retrouve avec un regroupement entre première obligatoire et terminale obligatoire qui sur le plan pédagogique
pédagogique pose d'énormes difficultés pour un enseignement convenable, tôt ou tard, je serai menacé aussi de voir mes options obligatoires disparaître. Alors c'est totalement impensable, c'est inimaginable qu'on puisse mener une telle politique, sachant l'ouverture d'un musée aussi important que le Louvre Blanc, ce qui prouve en fait que dans la région, tout est tourné vers le développement d'une culture artistique et prioritairement ça concerne les élèves, les établissements scolaires. Donc je ne comprends pas comment un lycée de centre-ville, un lycée Blaringhem, qui depuis toujours a mis en avant en fait sa formation artistique aussi bien sur le plan théâtral, sur le plan musical et sur le plan des arts plastiques, je ne comprends pas qu'on puisse encore une fois tenter de sacrifier ses options au moment où vraiment c'est tout à fait dans le sens contraire, dans le courant inverse de ce qui se passe dans la région. Ce que l'on attend essentiellement, c'est que le recteur, comme le slogan l'indique, comme on l'entend en ce moment, nous rende les heures qui ont été retirées sous prétexte qu'il y a 24 élèves en moins l'année prochaine au lycée Blaringhem. En fait, on en a profité pour nous retirer un volume horaire assez important, et ce qui a entraîné ces coupes sombres, à la fois pour mes collègues dans les autres disciplines et surtout donc pour les disciplines artistiques. Donc, si le recteur nous rend nos heures, peut-être que nous pourrons sauver notre enseignement artistique obligatoire, qui est quand même l'élément le plus prépondérant pour la culture artistique du lycée Blaringhem. Ça ne touche peut-être pas là maintenant, mais plus tard pour nos bacs, pour nous, notre avenir, ça nous touchera. C'est important de soutenir les professeurs aujourd'hui pour montrer qu'on est avec eux. Pour pas se retrouver à 40, 45 par classe. Voilà, parce qu'on trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de monde dans les classes et que donc les cours ne se font pas assez sérieusement. Ouais, c'est chaud parce qu'en fait, il y a un manque d'effectifs au niveau des arts plastiques lourdes. Et le problème, c'est qu'on a essayé de regrouper plein de classes, donc arts plastiques lourdes, terminale et première. Et le problème, bien sûr, les terminales, ils vont partir. Et il y aura en première, je crois qu'il y aura 4 ou 5 personnes, un truc dans le genre. Et franchement, ça va être la suppression d'arts plastiques juste parce qu'il y a 4 élèves. Mais c'est les 4 élèves qui viennent à Blaringhem juste pour ça, en fait. Et l'art plastique, ça va être super important pour eux, pour leur métier plus tard. C'est important de venir ici pour manifester, pour... entre guillemets, dire interdiction de supprimer ces options parce qu'elles sont importantes pour la richesse de ce lycée en fait. Moi je fais art plastique. Justement, je suis venue à Blaringhem pour faire un bac L option art plastique. Et là, je viens de savoir que l'art plastique va peut-être être supprimé. Donc j'ai fait un bac L pour pouvoir rentrer dans une école d'art plus tard. Et on vient de m'annoncer que l'art plastique sera peut-être supprimé. Donc c'est un peu embêtant. Je trouve que c'est quand même important. C'est que va faire des dessins, etc. Je suis venue manifester justement parce que je suis contre cette idée de supprimer l'art plastique. Je trouve ça un peu révoltant qu'on supprime beaucoup d'options parce que c'est ce qui fait le charme du lycée en quelque sorte, de l'option musique, théâtre, art plastique, et je trouve ça vraiment dommage qu'ils veulent supprimer ça. Voilà, vous le voyez, énormément de colère chez les enseignants et chez les étudiants. Les options sont directement menacées, risquent tôt ou tard de disparaître. Ça fait beaucoup d'inquiétude au niveau des étudiants, notamment aux options artistiques. Mais il ne faut pas oublier également l'italien, hein, la langue vivante 3, qui quand même est beaucoup demandée dans ce lycée. Je vous propose tout de suite de... regardez cette interview de deux membres du CVL que nous avons eu juste un petit peu après le rassemblement. Ils nous expliquent leur point de vue sur cette manifestation, mais également la place que doivent jouer les étudiants dans ce rassemblement. Doivent-ils aider les professeurs? Doivent-ils se sentir concernés? On voit ça tout de suite en images. Tout d'abord, ça m'affecte. Même si je suis plus là actuellement dans ce lycée, je vois comment ça se passe et les options qui sont supprimées au fur et à mesure des années, les classes qui sont surchargées, les heures de cours qui sont supprimées, alors tout ça, ça donne des élèves démotivés et forcément un taux de réussite qui est assez mauvais. On a appelé les étudiants à venir soutenir nos professeurs car c'est les étudiants justement qui sont les plus touchés. C'est nous que ça concerne, c'est nous qui passons les examens. À la rigueur, les professeurs, si le taux de réussite est mauvais, pour eux, ça ne changera rien. Alors que nous, si nous n'avons pas notre bac, ça sera notre problème, comme on dit. On peut aussi remarquer, par exemple, en seconde, suppression totale des TP en sciences physiques, sachant qu'il y a une épreuve de TP au bac. Donc, pour les secondes, aucun entraînement avant. Il y avait une vendredi journée morte qui a été annulée car les parents d'élèves ont décidé de la faire aujourd'hui. Mais
on va peut-être rajouter des actions. Ouais, en tout cas, faire appel aux élèves pour qu'ils reviennent se rassembler avec les professeurs. Sûrement, ça aura sûrement lieu la semaine prochaine. Une manifestation, il faudrait, mais avec une mobilisation de beaucoup d'élèves, une journée morte. Et pourquoi pas un rassemblement des lycées du coin. Voilà. Pour pouvoir être plus nombreux et vraiment montrer qu'il y a de la colère. On parle beaucoup de Blaringhem, mais c'est pas le seul lycée justement touché par ces suppressions. On peut remarquer plusieurs lycées dans l'académie qui ont eu à peu près 5 postes, comme le nôtre, de supprimer. Mais en général, on essaye de se mettre d'accord pour que nos actions coïncident avec ceux des... De toute façon, on se sent concerné, donc on se sent obligé de venir justement avec les professeurs, en fait. Même si, enfin, ils n'étaient pas obligés de nous le dire pour qu'on soit présent aujourd'hui. On espérait quand même plus de monde, plus d'élèves, sachant que ça nous concerne directement. Ouais, je pense que les élèves sont pas assez, connaissent pas assez les conséquences de ce qui peut se passer. Ils sont pas très bien informés. Voilà, c'est pour ça aussi qu'ils sont pas là. On espérait hier que les parents d'élèves viennent distribuer des tracts, viennent informer les élèves, car la plupart ne savent même pas ce qui se prépare pour leur rentrée 2013, mais ils ne sont pas venus. Voilà, donc vous voyez le CVL qui donc doit se réunir pour décider des suites d'action pour soutenir les professeurs. Une tâche pas bien facile puisqu'il faut tout d'abord informer les élèves la grève pour qu'ils sachent vraiment pourquoi et également les convaincre de venir participer aux actions. Et justement, ça c'est le rôle surtout de la page Actu Lycée Blaringhem de Béthune. Donc notre confrère. Et nous avons lu l'interview de Benjamin qui dirige cette page avec Antoine. Benjamin qui nous explique comment il fait pour informer les élèves et notamment sur des événements comme cette grève. On l'écoute tout de suite. Bah, en fait, on est deux, donc souvent quand on reçoit les mails ou les infos, tout ça, c'est le premier qui le voit qui publie en fait, et après on s'envoie un SMS pour éviter de... deux fois la même chose en fait. Le plus souvent par le tableau des absences au lycée, ou après c'est directement les profs qui nous mettent des mails ou les élèves qui nous communiquent, comme là pour les grèves, souvent ils demandent à leurs profs s'ils sont absents ou pas, et nous après on essaye d'établir une liste, même si ça devient de plus en plus critique de publier une liste professeur gréviste. Bah, on a essayé d'informer sans pousser à la grève parce que c'est toujours aussi problématique, mais bon, moi j'ai demandé à ma prof d'histoire, Madame Hofer, Antoine a demandé de son côté, et puis après on est en commun et on essaye de mettre au courant au maximum les élèves. Voilà, je vous le rappelle, le nom de cette page c'est Actu Lycée Blaringhem de Béthune, ça se passe sur Facebook et je profite pour saluer Benjamin et Antoine qui font un excellent travail sur cette page que je connais bien. On va se quitter là-dessus donc, et j'en profite aussi également pour remercier tous ceux qui nous ont rejoints sur notre page DMZTV. C'est grâce à vous que cette page vit et je vous en remercie énormément. Voilà, on se quitte là-dessus. Merci donc à tous pour nous avoir suivi cette vidéo. Continuez à nous suivre, partagez notre page si besoin et n'hésitez pas à nous envoyer des informations, ça nous est très important. Voilà, à très bientôt. Encore merci.